coquette et l'abeille. Chloé, jeune, jolie, et surtout fort coquette, tous les matins, en se levant, se mettait au travail. J'entends à sa toilette. Et là, souriant, minaudant, elle disait à son cher confident les peines, les plaisirs, les projets de son âme. Une abeille étourdie arrive en bourdonnant. « Au secours! Au secours !» crie aussitôt la dame. « Venez, Lise, Marton accourait promptement. Chassez ce monstre ailé. » Le monstre insolemment aux lèvres de Chloé se pose. Chloé s'évanouit et Marton, en fureur, saisit l'abeille et se dispose à l'écraser. « Hélas !» lui dit avec douceur l'insecte malheureux. Pardonnez mon erreur. La bouche de Chloé me semblait une rose, et j'ai cru. Ce seul mot à Chloé rend ses sens. Faisons grâce, dit-elle, son aveu sincère. D'ailleurs, sa piqûre est légère. Depuis qu'elle te parle, à peine je la sens. Que ne fait-on passer avec un peu d'encens ?